Learn and play. ألعب وأتعلم. هيا بنا. بسم الله. بسم الله. والصلاة. والسلام. 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 على رسول الله. اللهم افتح لي أبواب رحمتك. أبواب رحمتك. أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. والله يحب المحسنين. الله عز وجل يجيد القرآن أي الله إلام المحسنين. صديق كوا المحسنين. المحسنين c'est ceux qui font le bien. Allah Azza wa Jal, il aime ceux qui font le bien. Et nous, nous aimons Allah parce qu'il est notre Seigneur. Allah Azza wa Jal, c'est lui qui nous a créés. Donc Allah Azza wa Jal, c'est lui notre Seigneur. C'est lui qui nous a créés. C'est lui qui nous surveille. C'est lui qui nous voit. C'est lui qui nous entend. C'est lui qui nous donne la santé. C'est lui qui nous donne toutes les bonnes choses. Ça veut dire que pour cela, on l'aime. Et Allah Azza wa Jal, il n'est pas le Seigneur que de nous. Mais il est le Seigneur du monde entier, de toutes choses. Également, nous aimons Allah, tabaraka wa ta'ala, car il nous a créés, mais de la meilleure des formes. Vous avez vu comment on est créé? On est créé de la meilleure des formes. Imagine, on aurait deux têtes. Imagine, on aurait quatre nez. Imagine, on aurait 10 pieds. 20 doigts. Ou imagine nos yeux, il y aurait un œil devant, un œil derrière. C'est-à-dire que tu vois devant et derrière en même temps, tu ne sais même pas quoi regarder. Ou imagine ta bouche, elle aurait été dans tes pieds. Tu aurais dû manger avec tes pieds. Ou imagine tes dents, ils auraient été sur tes mains. Ou si tu aurais un pied qui pousse sur le front. Etc. Regardez comment Allah Azza wa Jal,
il nous a créés de la meilleure manière. Parce que tout ce qui est sur notre corps, il sert à quelque chose. Allah ne nous a pas créés pour rien. Regardez nos yeux, ils servent à quelque chose. Notre nez, il sert à quelque chose. Nos cheveux, nos oreilles, nos paupières, nos mains, tout, tout. Bien sûr. Imagine, personne n'aurait des cheveux. On serait beau ou on serait moche? Hein? Imagine toi sans cheveux, t'as rien. T'aimerais ou pas? Donc t'as vu à quoi ça sert les cheveux? Ça sert à nous en bénir. D'accord? Allez, on prie. Chut. D'accord les ahibba? C'est compris ou pas? Également, on aime Allah Azza wa Jal parce qu'il nous a tout donné. Qui t'a donné la santé? Allah. Qui t'a donné tes parents? Allah. Qui t'a donné tes frères et sœurs? Allah. Qui t'a donné l'argent pour acheter à manger? Allah. Pour boire? Allah. Quand tu étais dans le ventre de ta maman, qui t'a fait vivre? Allah. Qui t'a donné toutes les bonnes choses? Allah. C'est Allah Azza wa Jal qui t'a tout donné. Et il nous donne tout ce que nous avons besoin. C'est pour cela qu'à chaque fois, quand on a besoin de quelque chose, on le demande à Allah. Parce qu'il nous donne tout ce que l'on a besoin. Qui nous donne l'air pour respirer? Allah. Imagine, on n'aurait pas d'air pour respirer. Comment on ferait? On serait mort. On serait rouge, on serait mort. D'accord, les ahibba? Et on aime Allah Azza wa Jal parce qu'il prend soin de nous. Il nous surveille, il nous donne toutes les bonnes choses. Et on aime Allah parce qu'il nous a guidés vers l'islam. On est musulmans grâce à Allah. Vous avez vu à l'école, il y a des enfants de votre âge, ils ne sont pas musulmans. Oui. Parce qu'Allah, il t'a choisi toi. Allah, il t'a choisi pour que tu sois musulman. Donc pour ça, on l'aime. Et pour ça, on doit le remercier. Si. Et comme on aime Allah, eh bien, on doit, comme il nous a tout donné, eh bien, on doit lui obéir. Donc, on obéit à Allah Azza wa Jal parce que c'est lui le plus grand. Et, Wallahu yuhibbu al-muhsinin, Allah Azza wa Jal, il aime ceux qui font du bien. Ça veut dire qu'Allah Azza wa Jal, il nous aime quand on fait des bonnes actions. Qui peut me citer des bonnes actions? Alors, si on obéit et on écoute à ses parents, Allah Azza wa Jal, il va t'aimer. Ensuite, Salma. Voilà, si on range sa chambre, on fait ses devoirs pour plaire à nos parents, pour que nos parents soient contents de nous. Si on fait ça par obéissance à nos parents, Allah Azza wa Jal, il va être content de nous. Naam. Aider les personnes âgées, très très bien. Le prophète, alayhi salatu wa salam, il dit, laïsa minna. Et on frappe pas sa sœur. Hein. Le prophète, alayhi salatu wa salam, il dit, n'est pas des miens, n'est pas des nôtres. Ce qui ne respecte pas les personnes âgées. Donc si tu respectes les personnes âgées pour plaire à Allah, pour qu'Allah azza wa jal, il soit content de toi, Allah azza wa jal, il t'aimera. Oui, Maria. Faire des sadaqats, très très bien. Donner de l'argent aux pauvres, donner des habits, donner des jouets, donner à manger. Tout ce que tu peux donner aux pauvres, si tu fais ça pour qu'Allah Azza wa Jal soit content de toi, Allah Tabaraka wa Ta'ala, il t'aimera. Naam. On doit dire merci à quelqu'un. Très bien, dire merci, être poli, ne pas dire des insultes. Tout cela fait partie du bon comportement. Et si tu as le bon comportement, Allah Azza wa Jal, il t'aimera. Beaucoup. Ambrine. Oui, on a dit. Oui, Selma. Très, très bien. La plus importante des bonnes actions, c'est la prière. La prière. La prière. Et il y a combien de prières dans la journée? 5 prières. Donc celui qui fait les 5 prières à partir de 7 ans, à partir de 7 ans, si tu fais tes 5 prières, Allah Azza wa Jal, il
te donnera et il t'aimera. Et Allah Azza wa Jal, quand il donne sans compter. Allah Azza wa Jal, il donne sans compter. Il donne toutes les bonnes choses. Et sachez qu'à chaque fois que tu fais une bonne action, à chaque fois que tu fais une hasanat, Allah Azza wa Jal, il va la multiplier par 10. Je te dérange pas, Nesrine? Je vais... Je te dérange pas? Tesnim. Moi, j'ai l'impression que je te dérange, là, quand je parle. Parce que tu m'écoutes pas, tu ranges tout ce qu'il y a sur ta table. Je veux rien entendre. D'accord? Sinon, j'appelle ton papa, il revient te chercher. Est-ce que c'est bien compris? À chaque fois que tu fais une bonne action, à chaque fois que tu fais une hasanat, Allah Azza wa Jal, il va la multiplier par 10. Donc si tu donnes, si tu fais une sadaqa à un pauvre, eh ben Allah, il va la multiplier par 10. Si tu lis le Coran, Allah, il va multiplier tes hasanat par 10. Multiplier, c'est-à-dire que si tu donnes 1 euro, Allah, il va donner la récompense comme si tu avais donné 10 euros. Si tu as lu une page, Allah, il va donner la récompense comme si tu avais lu 10 pages. D'accord, les Ahibba? Donc retenez cela. Allah Azza wa Jal, il multiplie les bonnes actions par 10. Et quand tu mets une bonne intention, il peut la multiplier jusqu'à 700. 700. D'accord? Donc, il est très très important de faire beaucoup de bonnes de bonnes choses et de bonnes actions. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina 'adhaban nar.